c'est la terre, c'est l'eau, c'est le feu. Ouais, ouais, attends, on se croira en cours d'SVT là, mon pote. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. C'est Léo, désolé pour ma tête, elle est exécrable. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Si vous voulez direct voir la vidéo avec la moto, enfin en moto plutôt, je vous mets un petit time code en bas et ceux qui veulent discuter, bah restez donc. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation, les mecs? Je sais, on va faire un petit débat avant que la vidéo commence. C'est de la merde en fait. C'est clairement la merde. Encore un petit confinement, même si j'ai l'impression que ça change pas beaucoup. Je vais pas te mentir parce que aujourd'hui, je vous donne un petit. Ah, le. Ouh, le banc il est mouillé, frérot. Ah, le banc il est mouillé, frérot. Ah, ah ouais, j'ai le cul trempé. Du coup, je pense que la situation en vrai, c'est pas top top. Mais bon, en vrai, les tabacs c'est ouvert. Parce que je suis allé retirer un colis. Il y a plein de choses d'ouvert. Bon, il y a un petit intrus sur mon terrain privé. Bon, je le laisse venir, je le laisse courir. Il fait comme moi, il fait des petites gambadettes. Et les écoles, qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je trouve que c'est nul de chez nous. Pour nous qui sont à l'école, je vois pas de confinement. Tu peux juste pas voir tes potes, juste pas sortir, c'est ça qui fait chier. Mais en vrai, tu vas à l'école, donc tu sors quand même un peu. Du coup, en vrai, c'est un moitié confinement éclaté parce qu'on va à l'école. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'en Italie, ils étaient reconfinés. Enfin, ils étaient reconfinés, genre ils allaient plus à l'école. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre aux mêmes restrictions en France? Je ne sais pas, je l'espère. Dites-moi en commentaire, est-ce que les écoles vont fermer? Et peut-être que quand je verrai cette vidéo dans une semaine, on sera confiné, plus d'école. Et là, ce sera pas mal. Là, ce sera la belle vie, quoi. Bon, allez. Moi, je pense qu'il est temps de vous laisser. Venez me suivre sur Instagram. Parce que des fois, je fais des petites stories. Là, tu me vois là. Tu me vois là au bord de mon étang privé. Ouais, je suis vraiment tout seul. Ça fait plaisir. Il est là, mon Instagram. On est bientôt 10 000. Je compte sur vous vraiment pour venir. Parce que là, on est de plus en plus sur Insta. Et bientôt, je pourrais mettre des petits liens en story, des petits swipe up pour faire le vrai Instagrammeur. Voilà, ça fait plaisir. Bref. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Il n'y a personne. C'est vide de chez vide. C'est calme, les petits oiseaux, le petit soleil, le petit téléphone avec vous à travers la vidéo. C'est excellent. Franchement, ça, je kiffe. Il y en a, ils peuvent kiffer boire, les soirées, la fumette. Mais frère, c'est ça la vraie vie. C'est ça. C'est de la water. Regarde, regarde. Ok, ok, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'ai froid. Mais c'est ça la vie. C'est la terre, c'est l'eau, c'est le feu. Ouais, ouais, attends, on se croira en cours d'SVT là, mon pote. Bonne vidéo, je vous attends en commentaire, petit commentaire. Certes, je réponds pas, je réponds plus aux commentaires, mais je l'ai dit. Et ça me fait chaud au cœur de voir que des fois, il y a des personnes qui me soutiennent quand même, malgré toutes les petites critiques qu'on peut trouver. Mais les critiques, les mecs, on les prend, on les jette à l'eau. Bon allez, sur ce, je parle pas plus, je commence à avoir mal au bras, même si les musclés, t'as capté. Bonne vidéo. Salut les mecs, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo bonus, c'est un petit délire qu'on va se faire. On doit retourner chez nous mais du coup on doit prendre un petit raccourci. Donc on va raccourcir par les chemins, je suis avec Marius, Ridju by Marius. Avec le 86-88 stage 6, on sait pas trop ce que c'est. Voilà. Ouais, fais encore plus de bruit gros. Ouais, elle est froide, vous inquiétez pas les mecs. Ouais. Voilà, regardez le kéké. Regardez-moi ça le kéké les mecs. Voilà, petite vidéo, on va rien dégrader et tout. Vraiment, on roule comme ça. C'est juste pour dire de prendre un petit raccourci pour rentrer chez nous. On va rouler tranquille. Ouais, 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 ouais. J'ai pas déjà fait glisser, ouais. Non, c'est rien, c'est la rue. Ouais, j'ai pas encore fait glisser. Ah ouais, on voit pas les... Faut faire attention, faut rouler mollo mollo. Je vais mettre mon clignotant, on va voir s'il voit. À droite. Vas-y, passe devant. Ouais, 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 ouais. Regardez avec les feuilles et tout, ça fait stylé en vrai. Du coup, dites-moi, notez sur 10 dans les commentaires la nouvelle bécane en rouge. Aujourd'hui, on a tourné 3 petites vidéos, c'est assez cool. Au moins, j'essaye de vous sortir un peu plus de vidéos. Ah ouais, ah ouais. Ouais, t'inquiète, c'est rien, c'est le motocross. Tout droit, tout droit.
Regardez le kéké, il va prendre un trou. Ah ouais, en fait, faut pas que je freine de l'avant, je suis trop bête. Surtout pas dans les bois comme ça. Et voilà, on a pris un petit raccourci et on est arrivé pile chez nous. Ah ouais, par contre, ouais, ça fait. Comment on fait? Ça passe. Eh ouais, ça passe, gros. Regardez, regardez le kéké. On va voir s'il passe. Oh, ça passe crème. Hein? Aujourd'hui les mecs, on va faire une, je sais pas comment on appelle ça là, une daily observation, je sais pas quoi. Mais regardez, avant on va déjà commencer. Est-ce que vous pensez que je le passe sans tomber? Ouais, ouais. T'as vu ça? C'est grâce à mes vidéos enduro les mecs. Et merci d'ailleurs parce que l'autre elle est à 80 000 vues à l'heure où je vous parle. Celle de l'abonné qui crache malheureusement sa bécane devant moi. Bon, vous inquiétez pas. Tout va bien, j'essayerai de rerouler avec lui quand sa bécane sera en ordre de rouler. Bah pour l'instant elle roule mais je crois qu'il l'a mis au garage. Faut que je lui demande. En tout cas, pour les prochains qui veulent rouler avec moi, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Il s'affiche juste ici. Ouais ouais ouais. Je suis perdu moi, je me perds dans des rues. Bon, ça fait plaisir là parce que t'as capté, il fait un peu froid en ce moment. Je pense qu'on va bientôt devoir changer les équipements. Ceux qui roulent équipés, vous changez les équipements quand vous changez quand vos manteaux et tout, quand il fait vraiment froid. Je suis sûr que dans le sud, les mecs qui roulent en 50 ou même les mecs en moto, et bah leur équipement moto, il est beaucoup moins cher que le nôtre. Parce que nous, on doit le changer régulièrement. Enfin, on doit le changer régulièrement. On doit avoir un quand il fait froid et un quand il fait chaud. Ah, ils aiment pas, ils m'aiment pas dans ce quartier, ils m'aiment pas. J'ai eu des échos comme quoi, quand je passais ici, les gens m'aimaient pas parce que à ce qui paraît, je faisais du bruit. Alors les mecs, je suis en deux temps, un 50 bridé, enfin bridé, débridé, mais full origine. J'ai pas de peau et tout, va pas commencer à me dire que c'est moi qui fais du bruit. Hein. Je fais le bruit d'un Dyson, mon pote. Avouez dans les commentaires que j'ai la moto qui fait le moins de bruit au monde. Je vous jure, un délire. Ça me saoule au départ. Genre, j'ai beau mettre plein gaz, quand je débraye, et bah le régime il baisse d'un coup. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez, regardez, sur l'avant, carrément, carrément sur le réservoir, je suis posé. Sur le réservoir, mon pote. Ouais, elle fait du bruit. Je pense qu'elle a un problème moteur. Enfin, j'espère pas. Hein. Mais elle me fait un de ces boucans quand je roule. Ça fait gling gling de partout. Je pense que faire de l'enduro en 50, les mecs, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, surtout en super mode et du coup, ça claque de partout. Et je te jure, je vais le serrer le moteur. Oh, ils ont coupé. Regardez. Oh, comment on voit mieux. Ah, du coup, on peut prendre des bons virages et tout. C'est carré ça. Aujourd'hui, je sais même pas pourquoi j'ai sorti la moto, juste parce que j'en avais marre de rester confiné. Du coup, ça fait une petite vidéo sympa. En vrai, il devrait mettre une radio sur les motos. Il y en a, je pense, hein, sur les grosses bécanes. Moi, j'ai pas la radio, du coup, je fais moi-même la radio. Mais vas-y, je chante pas très bien, donc t'as capté. Attends, c'était stylé, c'était quoi? C'était un Land Rover, on dirait un Dacia Sandero, mon pote. Attends, mais c'est combien, là? C'est 50, gros, hein. Je sais bien, je suis en 50, mais quand même... Accélère donc. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu freines? Ah si, oh, il y a un Dodan. Oh mon seigneur. On est à 20, frère. À 20, elle a cru être en Ferrari ou quoi? Bientôt elle va te prendre le rond-point de diagonale là, comme les supercars. Allez, allez papy. Je crois que ça sera la première fois de ma vie où c'est moi qui pousse une voiture. C'est beau quand même, hein, la campagne. C'est beau, hein. Vous habitez en ville ou à la campagne, vous là, dans les petits commentaires là? Eh, il m'a fait peur le camion. Eh, il m'a fait peur, j'ai dévié. Ah, il m'a fait peur, j'ai dévié. Je te jure, le moteur à 3000 pouces bleus. Je vais sur un vrai terrain de cross. Je vais à Comines, je vais à Lone Plage avec ma 50. Tu sais quoi, on va faire un max speed là. Carrément là, là on va faire serrer le moteur là, carrément. Là elle va cracher du feu la 50. Ouah, regarde-moi ça là, cette vitesse là, cette vitesse de pointe là. Full origine 80. Bah ouais, copain. Putain, mais j'ai tellement envie de faire du cross là. Aller dans les petits chemins boueux là et me renverser. Non, ah, j'avoue ça fera des vues mais un peu la flemme quoi. Eh, je vous jure, je vais acheter mon... Je vais mettre mon équipement full cross, je vais aller dans les chemins, je vais faire du cross. Parce que j'ai un équipement cross, hein. Enfin il manque juste les bottes et le pare-pierre. Ouais, le plus important quoi.
Quand il y a des groupes de jeunes et que je passe, comme j'ai une caméra, ils disent « Oh, c'est le dernier youtubeur à la mode, ce mec. Il doit facile avoir 3 millions d'abonnés, ce mec. » Non, non. Léonard, 50 000, bonjour. Ouais, il sort une de ses chaleurs, là. What? Et il transporte quoi, lui? 30 kilos de prostituées ou quoi? Qu'est-ce que je suis drôle. C'est une belle Mercedes. Elle était rabaissée, non? Oh, c'est quoi toutes ces voitures, là? J'ai gardé ma distance. Pourquoi il y a autant de monde? Eh, hey, il y a une promo sur les temps de pêche ou quoi, aujourd'hui? Il y a moins 12% sur la dorade? Oh, ça passe pas, gros. Carrément, t'en as un DD, il va finir dans le fossé. Aïe, aïe, il a hésité, il a hésité. Il a visité une 50 dans ses yeux, mais il a quand même bougé la tête. Il a quand même bougé la tête, le petit, on aime tes 07. En vrai, c'est un truc de fou, ça, ouais. Franchement, tu vois, entre moto, entre motard, entre guillemets, tout le monde se dit bonjour. Pourquoi? Je ne sais rien, hein, parce que quand t'es en voiture, est-ce que tout le monde va se dire bonjour? Non. Oh, attends, la barrière, elle est ouverte. Vas-y, je fais un tout droit. Attends, sauf autorisation. Ça fait des bonnes raviolis, ça, non? Ok, on a même mes pépés qui cueillent sauvagement. Eh, je suis pas de l'URSSAF, hein. Je vais pas venir vous faire chier pour trois pommes, hein. Carrément, l'hôtel m'a regardé, elle est dans sa carrette. Elle va me sortir un 12. Je vais rentrer criblé de balles, je vais être. Ça se trouve, il venait enterrer un corps. Bon, ça serait con, hein. Non, 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 je ne me mouille pas. Non, cette fois-ci, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est mort, je ne me mouille pas, c'est mort. Oh, et attends, je gère là, regarde là, celui-là va être compliqué. Oh, je ne me mouille pas. J'aurai pas un grain de boue sur mes pompes. Là, là, on est bien là. Wow, 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 wow. Je vais en laisser l'amortisseur ici, je crois. Non, en vrai, tu vois, une moto c'est bien, tu fais des petits tours et tout. Mais quand t'as longtemps la même moto, ça fait même pas un an. Genre la mienne, ça doit faire 6 mois. Bah, je m'en lasse déjà. Je sais pas, je trouve que j'ai fait le tour. Je me tâte soit à changer, soit à l'échanger. Qu'est-ce que vous me proposez contre ma derby avec 12 000 km? Toujours temps de chauffe respecté. Super bien entretenu. Conduit par un pilote d'envergure. Par contre, je commence à en avoir marre d'accélérer là. T'es carrément, tu te fais le poignet là. Garde, je me fais le poignet là, accélérer. Je reste bloqué comme ça, hein, car. Bon, j'espère la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, aïe. Abonnez-vous, dites-le moi en commentaire. On fera une série daily observation chill détente. Daily observation chillax. Bon allez les mecs, sur ce, ciao bye simeré.